dans le quartier de la Défense où nous allons voir si le premier SUV premium français saura défendre ses couleurs tricolores. Donc, comme certains d'entre vous l'ont deviné ce week-end, notre essai de la semaine était bien le DS7 Crossback, la première DS donc, qui produit sans Citroën, qui nous l'espérons sera à la hauteur. Donc au niveau de la calandre, on retrouve beaucoup de chrome, avec un physique relativement sobre quand même. Quant au gabarit, 4,57 m, on est entre le SUV compact et le grand SUV. Le coffre est automatique. Il est vraiment grand, 577 litres, de quoi embarquer toute votre garde-robe. Bienvenue à bord, la petite montre BRM se révèle, donc nous avons l'heure, parfait. Sinon il y a un grand écran multimédia de 12,5 pouces ainsi qu'une console centrale assez imposante avec beaucoup d'aluminium, d'insert aluminium, du cuir sur toute la planche de bord et des sièges vraiment très confortables et au cuir raffiné en forme de bracelet de montre. Nous sommes au volant de la finition Opéra avec le moteur HDI diesel 180 chevaux et la boîte automatique EAT 8 vitesses. Ce SUV a d'une part une suspension classique mais également une petite caméra qui regarde la route et juge des aspérités pour adapter en fonction les suspensions. Magie, il y a l'autopilote, et là je n'ai plus rien à faire. Alors je n'ai pas le droit d'avoir les mains en l'air, en revanche je dois être prête à reprendre le volant, et là vous voyez la voiture fait toute seule, hein. Je n'accélère pas, elle accélère toute seule, elle garde les distances de sécurité, et elle prend également les virages toute seule. Donc on va voir si on prend le virage, attention il y a une courbe, là on me dit de tenir le volant, je le tiens, mais elle tourne toute seule. Merci pilote automatique. Petit bilan de cet essai à la Défense. Ce DS7 Crossback se défend plutôt bien par rapport à la concurrence. Les concurrents Volvo, Audi, BMW et Mercedes. Reste à savoir si les clients premium seront prêts à adopter cette nouvelle marque DS.